je suis rentrée en France, mais pas le temps de se reposer parce que dès ce matin, en fait, on s'est levé très tôt parce qu'on a trouvé notre future maison. Elle est petite, elle est sur roue et elle est à Lille. Ça fait 9h30 qu'on est dans le train, on arrive, on n'en peut plus et on espère surtout qu'il en vaut la peine ce van. Bonjour. En tout cas, il est beau. Il a la classe, ce van. Là, il ne veut pas partir. Qu'est-ce qu'il y a, Clément? Ah, ben voilà. Il y a un fil qui est touché. Comment? Il y a un fil qui est touché. Un fil de quoi? C'est pas de la batterie, je pense. Une plaque. Hop. Oh. Ici, à l'intérieur, on a une pompe. Regardez. Ah, il y a une pompe. Ah oui, c'est... une pompe automatique. Ah, ouais. Là, celle-là, ah, il est parti. Ouais. Là, il est parti. Là. Bon, moi, je viens. C'est celle-là. Oh, bon, Clément, ça commence mal si tu sais même pas démarrer. Regarde. Non. C'est bon, Clément? Oui, oui, c'est juste ma première sortie. Okay. Tourne, tourne. Oui, oui, je tourne. Un canal derrière moi, une voiture sur ma droite. Ah oui, il y a le canal juste derrière. Oh, attention, Clément. Clément, tu rentres dans le canal. Mm-hmm. Tu continues au-dessus et tu vois. C'est... Ah non, c'est ça sur la gauche, je comprends. D'accord. Tu pars sur Calais, sur la gauche. Ok. Ah, c'est ça. Ouais, parce que sur la droite, tu pars sur la Belgique. C'est sympa aussi, mais c'est pas, c'est plus loin de Brest. Et voilà, Clément. On a van. On a notre van. C'est parti. Il roule. Il roule. Pour l'instant, rien ne s'est cassé la figure. Il est super lumineux. Hein. Ouais. Tu trouves pas? Je trouve ça beaucoup plus agréable qu'une voiture. Pas énervé le clignotant. Hein. Il est très lent. C'est joli en fait, l'heure de la France. Première nuit dans le van. C'est bon, on est bien équipé pour la première nuit dans le van. On est équipé sauf qu'on n'a pas d'eau. On a du Nesty. On a un fond de Nesty de midi. Ah bah on prend nos marteaux doucement. Ouais, voilà. Donc on a trouvé un petit emplacement près de la plage. Voilà, normalement on a vu aucune indication qui nous interdisait de nous garer ici. Donc on verra si la police vient nous réveiller demain matin. Bon, allez, d'ici là, à demain.